J'ai grandi au Gabon, au bord de la mer, de l'océan Atlantique. Donc c'est de là, je pense, que je tiens mon amour profond de la mer. Et avec le projet Platypus, c'est l'occasion de réconcilier vie professionnelle et cette passion qu'est la mer. Quand on se lance dans un projet comme ça, on sait où ça commence, mais on ne sait jamais où ça termine. Le Platypus est un besoin qui a été identifié il y a 4 ans maintenant en Australie. À l'époque, j'ai fait un break dans ma carrière professionnelle. J'ai tout quitté, ma carrière, mon appartement. Je suis parti en Australie et c'est là-bas que j'ai fait de la plongée sous-marine sur la Grande Barrière de Corail. Et je me suis rendu compte à cette occasion, en passant en l'occurrence le PADI, qui est le diplôme international de plongée sous-marine, qu'il manquait un engin qui soit un petit peu la frontière entre deux mondes, celui du monde de la mer et celui de la plongée sous-marine. Et le Platypus est la jonction entre ces deux mondes. Il a fallu quelques mois simplement pour me dire c'est une idée qui a de l'avenir. Il y a un marché, on peut trouver des applications pour cette idée et ça ouvre de nouvelles perspectives. Et depuis 4 ans que nous travaillons dessus, eh bien, les perspectives sont sans cesse étendues. Ça prouve effectivement qu'on a gagné le pari qu'on a pris il y a 4 ans. L'histoire du projet Platypus, c'est 4 ans. 4 ans qui ont été jalonnés par des grands moments. Le premier moment, bien sûr, c'est l'émergence de l'idée sur la Grande Barrière de Corail, donc on est en mai 2009. Il faut ensuite attendre octobre 2009 pour arriver à protéger l'idée, donc déposer un brevet concrètement. N'étant pas ingénieur moi-même, il a fallu que je trouve la compétence pour aller au-delà de la simple idée, des premiers concepts, des premiers croquis que j'avais réalisés pour faire de ce concept une réalité nautique. Donc je me suis mis à la recherche d'un architecte naval que j'ai rencontré en décembre 2009. Nous avons travaillé ensemble pendant 3 ans pendant lesquels le projet a évolué. Il a fallu attendre 2011 pour trouver les principaux partenaires techniques du projet qui ont suivi derrière. La société Elvis sur la partie électrique, schéma électrique global notamment, ils se sont énormément investis là-dessus. La société Hydronautique qui a développé tout le système hydraulique qui permettait de monter et descendre. Et ensuite, le chantier naval PCS au Sable d'Olonne qui a donc construit le prototype que l'on connaît aujourd'hui. Il a fallu attendre donc septembre ensuite 2012, donc l'année dernière, pour une première mise à l'eau. C'était un grand moment d'émotion, même si jamais on n'a pas été sous l'eau à ce moment-là, pour mettre à l'eau simplement le prototype et tester sa capacité de surface. On attend ensuite juin de cette année 2013 pour mettre à l'eau le prototype à Bordeaux pour qu'il fonctionne sur l'eau, mais également sous l'eau. Ça a été un immense succès. Maintenant, on l'a fait naviguer dans le bassin à flot de Bordeaux, donc ce n'était pas du tout là pour lequel il était conçu. Et on a attendu septembre de cette année, septembre 2013, pour le mettre à l'eau à Ramatuelle, donc dans le sud de la France, et l'exposer ensuite à Cannes, pour le salon donc le festival de la plaisance de Cannes. Ça a été un immense succès à ce moment-là. On a pu voir donc les réactions unanimes de la presse, du grand public, des experts nautiques. Quand j'ai commencé l'aventure du projet Platypus, l'idée de base, c'était de permettre à des centres de plongée d'arriver à proposer un engin qui permette aux moniteurs de plongée, mais également à leurs clients, donc les personnes qu'ils instruisent, de pouvoir une plateforme de plongée, à savoir un engin qui, comme un bateau, puisse naviguer sur l'eau et d'un simple bouton, explorer les fonds sous-marins, surveiller des groupes de personnes. La réflexion du Platypus est sans fin quasiment. On a ouvert les portes sur un concept qui débouche sur énormément d'applications, de formes, de design, de possibilités techniques. Après, on a été convaincus qu'il y avait un marché sur le marché du loisir, que des grands resorts dans le monde, des grands hôtels, dans des endroits comme les Maldives, les Seychelles, seraient intéressés d'en acheter. Ensuite, on a découvert que pour les personnes handicapées lourdes, notamment les personnes tétraplégiques, le Platypus était une véritable solution pour elles, pour permettre à ces personnes d'aller explorer les fonds sous-marins.
plus récemment, les communautés du littoral, les sociétés qui exploitent le littoral côtier, qui s'occupent de nettoyer et de surveiller le littoral côtier, sont intéressées également d'utiliser des platypus qui ressembleraient beaucoup à la version de série pour surveiller le littoral côtier, mais également nettoyer le littoral côtier. Il suffit de mettre un masque pour se rendre compte qu'à 3, 4, 5 mètres de profondeur, il y a énormément de détritus, des sacs plastiques, des bouteilles de plastique. Aujourd'hui, rien n'est fait pour nettoyer tout ça. Tout récemment encore, on est en contact avec un broker à l'île Maurice qui disait « Tiens, est-ce que ce serait possible d'avoir une cage anti-requin autour du platypus pour protéger les occupants par rapport à ça ou simplement explorer, surveiller le littoral côtier ?» La réponse est oui à chaque fois. L'armée est intéressée pour en faire un engin qui puisse être utilisé par les commandos de marine en l'occurrence. Les applications professionnelles sont nombreuses pour le concept que l'on a développé. Donc les futures dates, les futures échéances seront de présenter un platypus version professionnelle à l'horizon mi-2014 et une version militaire fin 2014. Et pour ce faire, nous recherchons des grands partenaires industriels, techniques et commerciaux pour nous aider à mener à bien cette aventure, sachant qu'aujourd'hui, le concept a été validé. On sait que le marché n'attend que la version de série, tant pour le loisir que la version professionnelle qui permettra de laver les bateaux en pleine mer. Donc tout ça sera courant 2014. 2014 s'annonce une grande année. C'était 4 ans de travail, couronné de succès, beaucoup de difficultés certes, tout n'est pas parfait encore également. Mais aujourd'hui, si je me projette à l'avenir, je vois que du beau. On a réussi le plus dur, il reste énormément de choses à faire bien sûr, mais imaginer le platypus dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, c'est imaginer une société qui tourne, qui crée de l'emploi, une société qui est connue dans le monde, puisque c'est un produit purement d'export, ce n'est pas en France qu'est le marché. On va exporter aux États-Unis, on va exporter dans la mer des Caraïbes en l'occurrence, on va exporter en Asie, aux Seychelles, aux Maldives, en Australie. C'est là-bas que sont les marchés. Donc on espère que Platypus Craft va réussir à se faire un nom par rapport à son concept, mais par rapport également à la qualité de ses produits. Donc on souhaite en faire une vraie société qui propose une gamme de produits complète avec beaucoup d'applications, une société qui crée du rêve, mais pas seulement, qui crée également de la réalité et qui est une application concrète. Et bien sûr, faire de cette société la preuve que quand on veut, on peut, que l'on peut faire un rêve, une réalité, même en période de crise, même si jamais on n'a pas de moyens et même si jamais on n'a pas le background par rapport à ça.